Salut tout le monde, c'est Sobilo et c'est un Sobilo dans la merde qui vous parle puisqu'on est dans cette situation absolument tendue d'être coincé dans cette forteresse avec pour seule sortie le pont très très étroit que nous avions franchi pour venir jusqu'ici et qui est occupé par les dredges. Mais bon, on n'a pas trop le choix, c'est parti. Nous sommes prêts, quelle est notre stratégie? Appâtez les dredges pour qu'ils attaquent et massacrez-les. Traversez les premières lignes et ne vous arrêtez pas. Envoyez les protecteurs devant et combattez en défense. Allez-y à fond, frappez fort et massacrez-les. Faites diversion pour attirer l'attention et échappez-les. Et échappez-vous. Oh là là. Envoyez les protecteurs devant et combattez en défense. C'est ce qui me semble. Les protecteurs pourront les forcer dans le passage étroit et nous serons alors dans une bien meilleure posture. C'est une option sûre, mais tout dépend de combien ils sont. Faisons comme ça. Les protecteurs se rassemblent devant le groupe et avancent sous les coups de masse et les éclats de bombes. Sans subir trop de dommages, la caravane a traversé le pont. Il reste maintenant à vous battre pour vous échapper. Comme Mogre l'avait prédit, il vous entoure de tous côtés et vous commencez à fracasser des crânes dès que les boucliers laissent passer les ennemis. Ouh là là. Ok, donc on va garder Fasolt, Ludin, Ayric, Gnulf, c'est bon. Ça me va. Attention. Combien vont-ils être? J'ai peur. Oh là là. Alors lui. Oh putain, gardien de pierre colosse. 21 boucliers. 21 points de bouclier. 19, 10, 8. Fondeur de flamme. Oh putain. Fichtre, nous sommes dans de beaux draps. Alors, il me faut quelqu'un qui inflige des dégâts. Je pense que c'est un boulot pour lui. Mais il faut quelqu'un qui a un gros bouclier avec lui. Et ici, on va faire ça. Mais j'ai plus d'archers, hein! Merci, Irsa, la salope qui me tend des pièges là. Ah putain, je pensais que ça ferait plus au bouclier quoi. On va s'écarter parce que si je fais un Tempest. Allez, on réduit les boucliers tout de suite. Quoi 2? 15? 15 et il me fait 2? Quoi? Non, 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 non. Oh! Dur. Non! Non, 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 non! Qu'est-ce que je fais, moi? Putain! Je suis fou. Je suis absolument taré. Aïe aïe aïe. Bon, il réduit l'armure de ses potes. Ça m'arrange. Attends, mollo, mollo. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va se mettre. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc là il a piégé la case. La case, je pense. Pardon. Pour le bruit du micro. Voilà, ton bouclier est de 21, ce que j'en pense.
Ouais, faut pas que je reste sur cette case, ça me semble plus ou moins évident. 9, 11. Boing. Gunulf. Du travail de nain. Enfin, de géant, du coup. Ils sont déjà deux varles contre lui, je vais plutôt aller. Je vais faire le fou là. What? Ok, bon. Si, si. Allez, allez. Allez, allez. Soyons agressifs dans notre démarche là. Voilà. Ah, fou la paix à Gunulf, putain. 11. Oui, je pense, franchement, il peut s'en occuper tout seul. Je pense que là, il faut se concentrer ici. Allez, va te cacher, toi. Va faire ton invocation. Oh là là, mais ça, ça fait mal! Désolé, je te laisserai pas faire. Non, mais arrête avec ça! Bon, là, un Tempest dans leur gueule, c'est ce qu'il faut. Putain. Aïe, Gunulf, putain. À chaque fois, tu seras blessé. À chaque fois, c'est dingue. J'ai pas fait assez attention, je pense. Bon. Ok, donc on les distance tranquillement apparemment. Ce cauchemar est bientôt terminé. Partez ou massacrez tous les dredge. Non, on se casse. On se casse. Vous comptez les survivants. Vous n'aimez pas vous dire que vous avez perdu autant d'hommes pour arriver ici alors que vous ne faites que suivre le conseil d'un manien inconscient. Vous espérez que ça en valait la peine. Bon. Je fus silencieux lors de ce combat, mais c'était pour la bonne cause. J'ai été concentré, mais bon. Bon, bon, bon. Ok, direction Schlid. Et je pense que je vais retourner sur le groupe de Rook. Ah non, on passe Schlid. What? Ah ouais, comme ça quoi. Direction Grofheim, direct. Bon. D'accord. Hakon, rejoins-moi un moment, il y a quelque chose que je veux te montrer. Est-ce que c'est une soirée d'accueil à Grofheim, aubergiste? C'est la seule chose qui me ferait plaisir. Malheureusement, non. Le manien de Ridgehorn s'est réveillé. Il dit qu'il s'appelle Highwind. On dirait le nom d'un manien. Comment va-t-il? Pas bien. Où sommes-nous?
Une journée ou deux de Grofheim. Nous t'avons trouvé dans la tour de Ridgehorn. Que faisais-tu là-bas? Grofheim. Non, 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 ce n'est pas le bon chemin. Juno. Où est-elle? Où est la femme qui était avec moi? Elle n'a pas survécu, mon ami. Nous n'avons ramené que les vivants. Non, nous devons y retourner. Je ne crois pas. Nous avons à peine réussi à nous en sortir il y a 2 semaines. Sais-tu pourquoi les Dredge grouillaient autour de Ridgehorn? Dredge? Nous devons y retourner! C'est un satané tombeau, l'ami! Je suis désolé, Eivind. Elle est morte. Elle était morte quand nous sommes arrivés. Nous devons dire à Jorundr ce qui se passe et de se préparer pour une sacrée guerre. Alors si tu... Elle est morte. Je n'ai pas réussi à la sauver. Je n'ai pas réussi à la sauver. Eivind a souvent l'air épuisé. Soudain, l'air épuisé. Il tombe à terre et vous faites signe à certains varls pour qu'ils l'aident à monter sur la charrette. Ce n'est pas ce que j'espérais entendre, mais je ne sais pas trop ce que j'espérais. Allez, Yubin, plus vite nous serons à Grofheim, mieux ce sera. C'est là qu'on va trouver Grofheim en ruine et en What flammes. grips me as we approach Grofheim? None of us expected to see a city unscathed. Oh putain. But what we find steals the very breath from my lungs. Oh merde. Chapitre 4. De peur qu'ils ne rentrent pas chez eux. Oh merde. Bon, donc Grofheim, la capitale qui semblait être le lieu de sûreté. Eh ben finalement. Qu'est-ce que je t'ai dit, Rook? L'homme a un regard un peu fou. Il se tient debout, sa hache pointée dans votre direction devant une douzaine d'autres hommes. Et qu'il, espèce de bâtard! Tu te rappelles ce que j'ai dit? Réfléchis bien à ce que tu veux. Voici ce qui t'attend. Et qu'il s'éloigne et vous laisse vous débrouiller avec ses bandits. Oh le bâtard! Oh le fils de... Bah, évidemment qu'il fallait pas lui faire confiance, il est habillé en noir. Tous les méchants sont habillés en noir dans les trucs d'Heroic Fantasy. Sauron, Voldemort. Morgoth, c'est son armure des ténèbres. Ganondorf. Dark Vador. Ah! Ouais, voilà. Ok. Ouais, ça fait difficile, ça fait dur de bizarre de revenir à des gens aussi peu élevés en niveau. Faut être plus prudent là. What? On va se concentrer sur eux.
Foutez-lui la paix, bordel. C'est bien, Mogun. Ivor, tu es inutile, te l'a-t-on déjà dit. Allez, hop. Bélier, hop. Voilà. Bon, alors, on se concentre là, parce que c'est pas de la tarte. Allez, toi, on se débarrasse de toi, tu dégages. Ensuite... Ok, toi... Ah, dommage, il me manque un point pour te buter, quoi. Bon, allez, Ivor, va faire... va dodo. Voilà, c'est bien. Putain, pour un Varl, tu sers vraiment à rien, hein. Jesus. Oula, non. Pourquoi les archers sont toutes des femmes? C'est quoi ce... C'est absolument sexiste. Non? Je sais pas, moi, je trouve. Fléau sanguinaire. 4 attaques avec un point de chagrin. Oh. C'est la même chose qu'ils m'ont fait tout à l'heure, les Gugus. Ouais, toutes les femmes. Donc Irsa, Oddlife, Aled, c'est que des archères. C'est que des archères, c'est un peu sexiste, genre ouais, elles peuvent pas, elles sont pas assez fortes pour être au corps à corps au combat, tu vois. Vous voyez. Bon, lui il est pas franchement très menaçant, autant en finir avec lui. Enfin, en finir. Ah, Oddlife, Oddlife, Oddlife. Ah, l'archère qui va finir Oddlife. Putain. Fais chier. Quelque chose me dit que je vais pas pouvoir me reposer pendant un petit bout de temps en plus. Allez, perds ton armure, toi. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que ce... Quoi? Oh! Ce massacre! Bon, on a vrai, hein, mais voilà, c'est l'effet de retourner à des troupes avec des niveaux plus bas. Bah alors, Alette. Ah, ok. Bon, un peu de sérieux. Je n'aime pas l'admettre, mais je pense que tu as raison, Rook. Nous ne pouvons pas rester ici. Si nous ne sommes pas assassinés dans notre sommeil, les Dredge seront de toute façon bientôt là. Personne ne défend ces murailles. Où allons-nous? Je suis sûr que les Dredge ont déjà envahi le sud à cette heure-ci. Virmtow est la seule solution en tant qu'un temps soit peu logique. De l'autre côté du désert de glace, les Dredge ne nous suivront pas là-bas. Et je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider.
Nous arrivons à Wilmtow, nous trouvons un varl qui n'essaiera pas de nous tuer, nous serons en sécurité. Rassemble tout le monde et c'est parti. Ah voilà, j'aurais pas dû rentrer dans cette putain de ville. Super. Oh la loose quoi. La grosse loose et je peux pas me reposer. Super. Soupadoupa! Ah merde, attends, j'ai des gens à améliorer quand même. J'ai des gens à améliorer tout de même. Ivel, Rook. Ah enfin! Il était niveau 1 encore ce connard! Ouais. Ah, une deuxième fois, super. Oui. Voilà. C'est ce qu'il faut! Trigvi, toi aussi, hein, il était temps. Ok, c'est cool. Parce que là, votre défaut majeur, c'est le manque d'armure. Alette. Alette, toi. Ouais. Guerrier du ciel. Oh merde, j'ai plus assez, fuck! Oui, je sais qu'il me faut plus. Gnignigni! Bon, on peut pas dormir. Market, j'ai déjà fait mes courses. Il y a des nouveaux trucs. Ah, il y a des nouveaux trucs, non? Bon, de toute façon, j'ai plus de trucs. On se casse. Hors de ces murs, c'est le chaos. Les dredges sont partout. Heureusement, ils contournent la colline sur laquelle est érigé Frostver et se dirigent vers le sud, peu soucieux de vous poursuivre alors que vous traversez l'étendue devant vous. Vous êtes enfin libre, hors de Frostver, mais vous trouvez face à de nombreux problèmes. Qui qu'elle soit, vous espérez que la personne qu'Ivor connaît à Wilmtow acceptera de vous aider. Wilmtow, pour la traduction littérale, ça voudrait dire orteil de Wyrm. Le Wyrm, c'est une espèce de grand ver. Je crois. À pas confondre avec les wyverns, qui sont une sorte de dragon. Oh, le camp. Oui, oui. On dresse le camp, même si ça va me faire perdre un peu de trucs. Il faut se reposer. Au moins 2 jours, je pense. C'est bon, tout le monde va bien? Bon. Mogun veut me parler, apparemment. Ou Hogun. Hogun. Vas-y doucement pendant un moment, les gens commencent à remarquer. Oh, ils ont remarqué alors? Nous sommes sur le point de mourir chaque jour et tu veux que j'y aille doucement? Bon Dieu, je devrais labourer 2 fois plus de champs, tu comprends? Ne te fais pas virer de cette caravane, Mogun. Tu n'es pas le seul à souffrir. Alors, tu te maries, fais des enfants, et je suis donc censé faire pareil? Qu'est-ce qui est arrivé à... Les deux frères viennent que vers vous alors que vous approchez. Eh bien oui, j'ai un enfant dont je dois m'occuper. Calme-toi, Mogun. Mogun s'en va, laissant Mogun gêné. Rook, qu'est-ce qui t'amène? J'ai entendu des cris, j'ai accouru pour voir ce qui se passait. Désolé, c'était pas bien, rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives en courant à chaque fois que tu entends des cris, c'est sans doute pour ça que tu as l'air si fatigué. Écoute, ce n'est pas un secret. J'aime les femmes, Rook, et elles-mêmes. Elles aiment les cicatrices. oublie ça. Tout ceci, tous ces morts. Chaque soir, la moitié de la caravane pleure avant de s'endormir. Pathétique. Allez, Rook, sois honnête, c'est une vie agréable. La moitié du monde n'est qu'une terre précaire sur le point de chavirer. Quel genre de vie est-ce? Nous avons de la chance, nous pourrions passer toute notre vie sans but, sans objectif, sans une raison pour laquelle nous battre, à part l'ennui et la faim. Je suis content de tout ceci. Ah bon? Je vois ce que tu veux dire. Vois les choses comme ça, nous nous battons pour notre survie quasiment tous les jours, non? Tu peux te recroqueviller sous la terreur, tu peux aller te réfugier dans la forêt, manger des noix et apprécier la beauté des feuilles ou je ne sais quoi. Ou tu peux aimer le combat, tu sais ce que j'ai choisi. Mais ne t'inquiète pas, je ne m'attaquerai jamais à Alette, je te le promets. Ou Wildlife, elles sont à toi. Merci, Mogun. Vous partez sans savoir si Mogun a changé d'avis pour le meilleur ou pour le pire. Let's go. Pardon. Oh putain, ça va s'avérer rude. On a 15 jours de provisions devant nous. J'aurais dû faire les stocks de provisions. J'aurais dû faire des stocks de provisions avant, au lieu de faire monter de niveau.
ou serait-ce la rédemption ? Un groupe d'hommes aux épaules larges et aux manteaux épais s'approche de la caravane. Ce doivent être des hors-la-loi, entendez-vous, et cette rumeur se répand rapidement dans le clan. L'un des étrangers s'approche et vous dit « Nous n'avons plus de nourriture. Oh, toute aide est la bienvenue. » Ses yeux durs ne laissent rien transparaître de ses motivations. Mais nous non plus, on n'a plus de bouffe, hein. Alors, ne rien lui offrir, mais lui informer de la venue de Dredge. Demandez-lui comment ils sont arrivés jusqu'ici, combattez avec nous, et gagnez votre nourriture, refusez d'aider l'étranger, offrez quelques jours de vivre. Bah, j'ai rien, donc... Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Les hommes deviennent nerveux et sortent leurs armes. Vos guerriers s'approchent, et leur chef tend une main en avant et annonce d'une voix forte. La dernière caravane à nous avoir posé des questions a essayé de nous tuer. Je dis bien essayer, alors faisons simple. Vous allez nous aider ou non? Non, je peux pas, je suis désolé. Je peux pas les aider, j'ai pas de nourriture. Et plus de bouches à nourrir, ce sera une catastrophe. Après, ça fait toujours des guerriers en plus, quoi. Combattez avec nous et gagnez votre nourriture. Les hommes ont l'air surpris par votre offre. Ils rejoignent rapidement la caravane et commencent à partager comptes et boissons. Malheureusement... De toute façon, j'avais rien. malheureusement, cela prend à peine une journée pour que vous vous rendiez compte qu'ils ont disparu avec une grande partie de vos vivres. J'avais rien, ils ont rien pris, ces connards. Pardon. Mickey était en moi. Moins 4 membres de clan, moins 4 combattants. Oui. Allez, il faut que je trouve de la bouffe, là. Putain, j'ai pas géré, j'étais con sur ce coup. Trop stylé. Vous trouvez un nombre étonnant de gens installés autour de la pierre divine. Ils sont là depuis un bon moment. Depuis que le soleil s'est arrêté, en fait. Apparemment, ils sont convus que Radormir, le dieu du soleil, est revenu. Ils lui rendent hommage malgré l'environnement désolé. Ils accueillent la caravane à bras ouverts, se mélangent aux gens et échangent des histoires avec eux pendant que vous vous reposez. Ils n'ont presque rien d'intéressant à échanger, mais leur chef s'approche et vous propose de prendre part à leur cérémonie. On va demander en quoi consiste la cérémonie. Du Gulenfiri, vous dit l'un d'eux en vous montrant un liquide doré dans un bol en argent. Il en met un peu sur sa poitrine qui a presque l'air de grésiller et vous explique entre ses dents serrées qu'il s'agit d'un cadeau du dieu du soleil. C'est une huile qui brûle comme le soleil et leur permet d'atteindre la clairvoyance. Refusez et reprenez la route, refusez et inspectez la pierre divine avant de partir. Demandez s'il y a des gens intéressés dans la caravane, refusez, essayez vous-même. j'ai pas trop confiance. Inspectez la pierre divine. Personne ne sait vraiment à quoi ressemblait le dieu Radormir en raison de son goût immodéré pour l'isolement. Il n'est jamais entré en contact directement avec l'humanité. La plupart des gens pensent que c'était un serpent qui vivait dans le soleil. Il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire qu'il a vu la queue d'une immense créature se filer entre les nuages un jour de beau temps. Radormir a toujours été un dieu de la chance. C'est lui que les gens remerciaient pour le beau temps, pour un troupeau en bonne santé ou une récolte abondante. Malgré tout, le plus grand mystère le concernant est comment sa pierre divine a-t-elle bien pu atterrir au fond d'un lac asséché. Vous vous reposez un peu, puis continuez votre chemin. Les adorateurs du dieu du soleil souhaitent absolument rester, vous démontez donc votre campement et reprenez la route. Bon, je saurais jamais ce que ça a fait d'essayer ce truc-là, mais ça avait pas l'air net. Je sais pas. Ah putain, j'ai envie de savoir maintenant ce que ça aurait fait, mais bon. Ah là là, le moral commence à descendre gravement. Plusieurs personnes ont remarqué des vautours noirs formant des cercles au-dessus de la caravane. Profitant de la faible chute de neige, ils ne forment aucune menace mais ont un impact visible sur le moral des troupes. Lorsque vous regardez de nouveau derrière vous, Oddlife tire des flèches en l'air, manquant de peu les oiseaux une ou deux fois. « Fichez le camp! Il n'y a pas de mort ici » crie-t-elle sans s'adresser à une personne en particulier.
Que fais-tu? Qu'est-ce que tu en penses, Rook? Entraînement de tir à la cible. Elle tire une flèche et un vautour s'immobilise dans le ciel avant de chuter, embroché par une flèche aux plumes bleues. Elle récupère l'oiseau en riant et inspecte ses plumes. Tu sais, commence Oddlife, beaucoup de ces femmes pourraient le faire. Vous devinez à son regard que l'idée l'enthousiasme. Je pense que je vais les entraîner au combat. Bah ouais, pourquoi pas. On a toujours besoin de plus de guerriers, dites-vous à Oddlife. Tu sais enseigner l'arc, Alette en est la preuve. Oddlife vous sourit. Elle se dirige vers quelques femmes de la caravane et leur montre le vautour qu'elle a attrapé. Et on peut pas le bouffer, le vautour? On crève de faim, on crève de faim, on crève de faim. Peut-être le rituel du soleil m'aurait fait spawner de la bouffe dans la putain de caravane. Ah ! Un homme et une femme s'approchent de la caravane, les bras tendus en l'air. Un instant, mes amis, dit l'homme. Nous sommes de pauvres fermiers qui n'avons plus rien. La femme le frappe et finit à sa place. Nous sommes des hors-la-loi, c'est tout. Nous sommes 10 et nous vous aiderons à vous battre en échange de nourriture. What? Quel crime avez-vous commis? C'était des malentendus, dit l'homme. Les tavernes, ça porte à confusion. Vous ne savez jamais quand vous avez bu votre part. La femme le frappe à nouveau et dit: nous avons volé et tué lorsque c'était nécessaire. Des compétences qui pourraient vous être utiles. Et on n'a plus rien à bouffer. Nous sommes bien plus que des... L'homme s'arrête lorsque la femme le fixe. Il acquiesce et ils s'en vont en silence. Une fois le campement est installé, vous vous rendez compte que des vivres manquent. Je m'en fous! J'en avais plus! Morale bas. Morale extrêmement bas. Oh là là. C'est la grosse lousasse, hein, je vous le dis direct. Un vieil homme est assis au bord du chemin. « Tu es perdu ?» lui demandez-vous. Il ajuste le bandeau de cuir sur son front et répond « Non, et vous ?» Il se lève et s'approche de la caravane. Ses vêtements déchirés révèlent qu'il ne porte pas d'armes. « J'ai vu mieux, » dit le vieil homme en jetant un œil au chariot de vivres. « Mais je me joindrai à vous. » Il se tient près d'un guerrier. Jette sa barbe par-dessus son épaule et gonfle la poitrine. Le guerrier grimace et l'étranger demande « Qu'attendons-nous ? Allez, ouvrez la marche !»« Qui es-tu et que fais-tu ici ?»« Appelez-moi Unar !» « Ou ce que bon vous semble, vous dit le vieillard. Un homme peut aller où il a envie, non? Son apparence est plus comique qu'inquiétante, mais vous vous arrêtez quand vous-même pour obtenir des réponses. » »« De toute façon, j'ai pas de bouffe. Tu es le bienvenu si tu peux suivre le rythme. »« Suivre le rythme ?» Le vieil homme souffle à travers sa moustache. « Personne n'est plus rapide que le vieil Unar. Et messieurs, faites attention à vos femmes. Je suis un homme en or, pas en argent. » La caravane éclate de rire et reprend sa route. Ok. Si au moins ça avait un impact sur le moral, quoi. Wormtor was never the kind of place someone would build a town. Fittingly, the Var living here aren't known for welcoming visitors with open arms. Ah bon? Pourtant, il va falloir, parce que sinon je suis dans la merde. Les Varles vous trouvent avant que vous ne les aperceviez. Ce n'est pas étonnant, avec tous ces gens derrière vous. Tirant leurs armes, ils demandent à savoir ce que vous faites ici, mais se calment lorsque Ivor leur explique qu'il vient voir un certain Krum. Oh, 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 excusez-moi. Mais il a la classe. Oh putain. Wouh. Oh, cette barbe blanche, cet œil borgne, aveugle et son autre œil, ses cheveux blancs, c'est... Oh. Eh bien ça, c'est une surprise. Krumr, cela fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Oui, assez longtemps. Alors, qu'est-ce qui amène Ingvar à... Ingvar? Il s'appelle pas Ivar? À Vimto avec son propre village d'humains. Une mauvaise nouvelle. Les Dredge sont en train de descendre du nord. Nous avons eu de la chance d'arriver aussi loin. Une très mauvaise nouvelle, tu veux dire. Viens, on a de quoi manger. Nous en discuterons plus en détail à la taverne. Oui, de la nourriture. Vous suivez le vieux Varl à l'intérieur de la pauvre ville. Et vous l'entendez marmonner, si c'était n'importe qui d'autre, il nous aurait buté, je pense. J'ai discuté avec les guerriers. Je vais être honnête avec vous. La moitié veulent partir vers le nord pour voir ce qui est arrivé à Blotsbalk. Certains pensent nous devrions plutôt aller à Grofheim. Que? Il manquait un que. Personne n'est très heureux de vous voir là.
Qu'en penses-tu? Si ça ne tenait qu'à moi, je resterai ici et j'attendrai les dredges de pied ferme. Mais grâce à vous, ce n'est plus possible, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nourrir autant de personnes pendant très longtemps, même si elles ne mangent pas beaucoup. Ici, c'est une ville varle, et pour la plupart, nous pouvons nous débrouiller seuls. Vous, vous avez des femmes et des enfants. Nous pouvons donner un coup de main, rendre cet endroit habitable. Ça ne marche pas comme ça. Les varles sont ici pour échapper à la civilisation, pas pour en créer une nouvelle. C'est à Krumr de décider. D'ici peu, les dredges seront là aussi. Non, c'est certain. Mais s'il y a quelque chose que nous devrions faire, c'est prévenir Jorundr et lui dire ce qu'il se passe. Qui est Jorundr? Le roi des Varles. Enfin, ce que nous avons de plus approchant. Ivar, où as-tu trouvé ces gens? Restez ici et reposez-vous, mais lorsque votre clan sera prêt à partir, nous en irons tous. Je vais aller saluer ceux qui partent vers le nord. Mais je vais venir avec vous jusqu'à Grofheim. Je sais que Grofheim, c'est pas une bonne idée, hein. Encore voyager? Non, nous avons déjà fait tout ce chemin. Fais pas la tête, gamine. Même si Jorundr n'écoute pas un vieux var fatigué comme moi, j'ai comme le sentiment qu'il ferait attention à notre ami Ingvar. Ils vont écouter Ivar? Ah, il ne vous a rien dit? Bien sûr que non. Faites ce que vous avez à faire, mais ne soyez pas long. Bon, apparemment, Ivar a plus d'importance qu'il n'y paraît en termes de politique. Market! Je dépense tout en... Je suis obligé. Une bague gravée par Catherine de Vessaprum, guérisseuse de talent. Elle pouvait sauver tout le monde, sauf les plus sérieusement blessés. Protège la mort, sauf si la force est de 1. Les poudres obtenues à partir des roches... Je t'en ai déjà. Mais là, je te prends des vivants. Je suis obligé. Ça me fait chier. Sachant que je pouvais encore améliorer quelqu'un, il me semble. Heroes. Oh oh oh. Krumr, chef de guerre. Foncez. Le chef de guerre utilise son expérience de la guerre pour donner des ordres à ses alliés et leur permettre de jouer plus tôt. En modifiant le tour de jeu de ses alliés, le chef de guerre peut créer de nouvelles stratégies et apprendre par exemple aux archers des techniques de guerrier, utiliser les compétences plus tôt ou repousser un allié puissant vers le fond. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donne des ordres aux alliés adjacents. Donne... Je vois pas trop... Comment ça peut vraiment se concrétiser en combat. Aux archers des techniques de guerrier, c'est-à-dire qu'ils peuvent se battre au corps à corps. Bon. Intéressant à voir. Par contre, c'est clair que... Du coup, ça veut dire que je dois me séparer de quelqu'un. À voir. Pour l'instant, voilà. En tout cas, est-ce que c'est bon, c'est sauvegardé? 15h30. Oui, c'est bon. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. On va se reposer, on peut pas? On va se reposer un jour. Oh, j'aurais voulu que le moral remonte, mais bon, c'est pas grave. On va se reposer un jour, voilà. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, partager, à vous abonner si c'est pas fait. Et portez-vous bien par la barbe de... Bah, de Krumr, là, du coup. Allez, salut.